c'est un vrai vlog. Quand tu tiens la caméra à la main, c'est un vrai vlog. Je vais à Paris demain matin. Yes! Je vais à Paris une fois par mois en ce moment, c'est trop bien. En ce moment, c'est le salon du livre de Montreuil. Donc, bien évidemment, je vais au salon du livre de Montreuil. Du coup, j'y suis pas allée en 2020 parce qu'il y avait pas. Mais moi, j'y vais deux. Ça va être ma 5e année au salon du livre de Montreuil. Je suis trop contente. De moins en moins les auteurs m'intéressent et j'ai pas vraiment de plan pour y aller. J'y vais avec Juliette et Lydia. Pas vraiment d'auteurs que je veux voir. Je pense qu'on va juste déambuler dans le salon parce qu'on aime l'atmosphère du salon du livre de Montreuil. Je vais vlogger ça, je vais vlogger mon escapade à Paris. Je vais chez Lydia, donc mon amie, que vous connaissez certainement, jeudi vendredi pour la voir. Et je vais ensuite au salon du livre de Montreuil samedi, genre dimanche. Ça fait 2 semaines que j'essaye de vlogger, que je vlog juste des moments hyper random avec mon portable. Donc enjoy le montage de ces 2 semaines avec juste les moments les plus random au monde. You're
Maintenant, let's go to Paris, baby! J'aime trop parce que c'est Paper Moons logo et ça pique les lèvres et j'aime trop. Comme le Carmex. Tu me demandes quoi? Ah. Attends. On fait juste un rond. Plan de vlog. On voulait aller à un marché de Noël suédois. En fait, il était fermé parce qu'il a trop marché, donc il vendait plus rien. Du coup, après, on était dans le quartier suédois, donc on a trouvé une épicerie suédoise et on est rentré. Il y avait plein de pâtisseries et plein de vins chauds et de petits spéculoos. Je suis à moitié morte à côté. Lilia ne réagit plus. C'est délicieux. Il y a des amandes. T'as vu un animal? Un animal de quoi? Je sais pas, je t'ai entendu faire. C'est moi qui bois du vin qui fait du bruit. Bon, ça fume. Oh my god, bon allez, moi je vais manger, bisous, hein, je vous aime. Alors. Yeah, yeah, yeah. Non. Au pire, on pourra. Alors. Notre Dame, 2,5 km. Juliette est là, ici, hello. C'est ta caméra. Oui. C'est vraiment qui m'a appelé. C'est les chiffres de la Je vais pas vloguer, alors coucou le vlog. Until my brain. On regarde un film de Noël. On regarde. Oui, une mise sur deux. Juliette, elle est pas contente. Il a pas fini avec celui que je voulais. Ce vlog.
vlog va être une catastrophe, mais je viens juste de rentrer. J'ai vraiment vlogué au moment les plus random possible. Je pense que ça va être juste une documentation des random moments de ces 2-3 dernières semaines. Je pense que je vais la poster quand même parce que, bah écoutez, j'ai filmé donc je trouve ça cool. J'ai pas du tout filmé hier au salon, mais c'était sympa. J'ai pas resté longtemps au salon, mais c'était trop cool de voir Juliette. Je pense qu'on est resté genre le matin et un peu, genre on a mangé, on est resté jusqu'à 14h, j'ai envie de dire. Et c'était trop cool d'être avec mes copines. Je suis contente, j'ai acheté ma tasse de cette année. C'est mes tasses quotidiennes, donc je suis contente de la voir. Maintenant, il va falloir que je range le bordello, que je range mes affaires, voilà. Non pas que j'aille me laver, je sors juste de la douche, donc je vais pas aller me laver. Mes copines m'ont acheté des livres. So, hi. Lilia m'a acheté chez Galignani une collection d'essais de James Baldwin. Très étonnant. Je suis trop contente parce qu'en ce moment j'ai pas très envie. En fait, j'ai envie de lire soit de la fiction vraiment débile, pas chercher très loin, genre qui me demande pas beaucoup de réflexion en gros, ou alors des essais. Je sais que c'est très contradictoire, mais j'ai pas envie de lire de la fiction, j'ai très envie de lire des essais. Notes of Night Ibsen, qui est une collection d'essais de James Baldwin, parce que pour le moment du coup j'avais lu que de la fiction de lui. Au salon, Juliette m'a acheté. Il y avait Quotidien qui était en train d'interviewer, donc on essayait d'être dans le champ pour qu'on nous voit dans Quotidien. Et il y a un gars qui travaillait sur le stand qui nous a présenté cette collection, et ça a l'air vraiment super cool. Donc en fait, c'est une collection qui republie des classiques de femmes qui sont passées à la trappe dans le passé. Du coup, j'ai choisi celui qui m'ont dit qui était celui que toute l'équipe apparemment de la maison d'édition kiffait le plus, genre leur préféré, et c'est Marie-Claire de Marguerite Audoux. Trop hâte de lire. C'est Juliette qui me l'a acheté, donc merci beaucoup Juju, I love you. Trop hâte de lire ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir été là, de vous intéresser à mes vidéos, c'est trop cool. Merci beaucoup à tous ceux que j'ai vus au salon du livre de Montreuil, parce que bah, c'est un peu genre le meilleur truc de vous voir, de vous croiser, même dans Paris, c'est assez incroyable. Donc je vous aime très fort. Passez une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, babies. I love you.